Bienvenue à tous les amis. Ce soir, nous allons parler du magnétisme, donc comment rééquilibrer les énergies. Nous sommes avec Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Gwen. Alors Patrick, c'est une personne que j'ai rencontrée en Andorre. Je vis en Andorre et il m'a fait une séance pour me rétablir d'une chose où j'avais un problème. Et je dois dire que les résultats sont assez spectaculaires. Je m'en voyais aussi plusieurs de mes amis qui, après, sautaient de joie ou se sentaient super légers. Donc, je lui ai proposé de faire une conférence pour pouvoir vous partager. Ben déjà, il va nous dire ce que c'est que le magnétisme, comment il pratique et tout ça. Et il va vous donner des petites astuces pour peut-être pouvoir vous-même magnétiser ou vous améliorer si vous avez envie de faire ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, Patrick? Bien sûr. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, moi, je m'appelle Patrick. Je suis magnétiseur en Andorre. Alors, magnétiseur, ce qu'on appelle aussi en France rebouteux. Donc, je fais de la manipulation aussi de tout ce qui est musculaire, physique, alors ligamentaire, tendons, nerfs, mélangé avec le magnétisme. Ok, alors tu fais en présence physique et à distance, sachant que d'après ce que j'ai compris, à distance, ça fonctionne très bien au niveau des énergies et tout, mais quand il y a une personne qui a des problèmes aussi au niveau du corps, l'énergie, une fois que tu as débloqué, le fait d'être en présence, tu peux replacer le corps, mais pas comme un ostéo. En fait, toi, tu touches à peine et ça se replace. Alors, je ne sais pas comment tu arrives à gérer. Comment tu fais d'ailleurs, parce que tu ressens les douleurs dans ton corps. Moi, je sais que tu me disais, ah, t'as ce point-là exactement dans le dos, tu mettais le point dessus. Je me dis, mais comment il fait? Oui, parce que justement, il y a une particularité, c'est que par le biais du magnétisme, j'arrive à me synchroniser avec les gens. Alors, c'est le magnétisme, c'est pas un don, c'est un don que tout le monde a, qu'on développe ou qu'on développe pas. Moi, il s'est développé, on va dire, à une échelle où justement, en me synchronisant, en demandant l'autorisation à la personne de la magnétiser, j'arrive à rentrer dans son aura, dans ses énergies, et à me synchroniser avec elle. Et en me synchronisant avec elle, j'ai le reflet de son corps sur moi. Du coup, toutes les douleurs que la personne peut avoir, je les ressens sur moi. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que je peux cibler les endroits précis où la personne a des douleurs, même si elle n'est pas au courant, puisqu'on sait pertinemment qu'une douleur physique qu'une personne peut avoir, que ça peut être à l'omoplate, peut venir éventuellement d'un autre endroit qui est coincé par une énergie qui est bloquée. Du coup, moi, je vais chercher à la racine pour pouvoir débloquer tout ce qui a débloqué et remonter jusqu'à la douleur physique que la personne peut avoir. Voilà, c'était mon cas. Moi, j'avais une douleur à un endroit et toi, tu m'as dit non, c'est à l'opposé du corps, c'est là. C'est là où ça a débloqué tout. C'était incroyable. Donc, oui. Et justement, ce qui est marrant, c'est que les gens, en général, 99% du temps des gens, me disent « Non, j'ai pas mal là. » Je dis « Si, vous avez mal là, sans le savoir. » Et là, à ce moment-là, je pose mon doigt ou la main à l'endroit où j'ai mal. Et ils me disent « Ah oui. » Et justement, on parle bien justement du magnétisme, puisque, comme on dit, c'est le corps est fait d'énergie. Tout est énergie dans le corps, qu'on puisse dire. En simplement redonnant une information au corps, à l'endroit précis où il y a une douleur, on arrive à resynchroniser simplement toutes ces énergies à cet endroit-là, dénouer tout ce qui a dénoué, de façon à ce que toute la douleur disparaisse. Alors, il se peut qu'on ne peut pas tout faire, on n'est pas magicien, mais des fois, ça arrive très régulièrement, on le fait en une séance. Des fois, il faut peut-être deux ou trois séances, suivant l'antériorité de la pathologie de chaque personne. Tu m'avais parlé d'une personne qui avait en une séance où le dos s'est redressé, qui était vraiment très courbé. Je ne sais pas quel âge avait cette personne, mais apparemment, en une séance, ça s'était complètement débloqué. Ouais, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu une dame d'un certain âge, d'un âge assez avancé, qui est venue et qui, elle, malheureusement, était venue avec une canne suite à une opération d'une prothèse de hanche, qui avait fait de la rééducation, qui avait fait tout ce qu'il fallait, et que simplement, toutes ces énergies de la hanche étaient coincées. Elle est repartie sans la canne, et toute droite. Donc, c'est vrai que c'est... Pour moi, personnellement, c'est assez...
glorifiant, on va dire, parce que c'est quand même extraordinaire. J'ai eu un tas de personnes. J'ai eu un monsieur qui avait 45 ans à peu près, 40 ans, qui avait une polyarthrite aggravée depuis plus de 20 ans et qui avait un cou en forme de vautour, malheureusement, qui avait le cou qui était vraiment... Là, c'était très émouvant parce qu'en fin de compte, je lui ai fait une grosse séance de rééquilibrage énergétique, bien partout, et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir pratiquer vraiment une grosse, à ce moment-là, un gros soin énergétique sur la poitrine, puisqu'il était assez, assez sensible à tout ça en même temps. Et il s'est révélé qu'une fois que j'ai eu fini, je lui ai dit, c'est bon, vous pouvez vous lever tranquillement. Il s'est levé, il y avait ses enfants qui étaient assis justement derrière la baie vitrée de sa maison. L'enfant, il a ouvert la porte, il a regardé son papa, il s'est mis à pleurer. Et il lui dit, papa, t'es droit. Et sa femme qui était derrière moi, elle s'est retournée, elle est venue le regarder. Et ben oui, parce qu'il était droit, il n'était plus courbé, et tout le monde s'est mis à pleurer, et moi aussi avec, de toute façon. Parce que c'est tellement émouvant, parce que ben, ça faisait pendant, il prenait des cachets en permanence. Donc, c'est du magnétisme que je mélange avec le rebootement, de façon à rééquilibrer, à remettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Mais il faut bien savoir, c'est, on ne va pas dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais le magnétisme, tout le monde l'a. Il se développe ou il ne se développe pas, mais tout le monde peut se soulager certains maux. Alors, tu peux justement le but de la conférence, c'était que les gens puissent te découvrir s'ils ont besoin de soins à distance ou bah, ceux qui sont en Andorre. Venir. Et puis aussi de donner des astuces sur comment, si on a une douleur, si nous-mêmes on peut se soigner ou se soulager. Et puis ceux qui veulent approfondir ça, comment ils font? Alors, il faut tout simplement se synchroniser avec soi-même. Alors, comme on sait pertinemment que la parole crée, l'esprit est beaucoup plus fort que les gestes, que les actes, on se concentre sur soi-même. On peut éventuellement, si c'est une douleur physique extérieure, poser, faire une imposition des mains dessus et aller simplement emmener son esprit à l'endroit où on a la douleur. Et par ce biais, comme on va dire que l'esprit est plus puissant que tout ce qu'il peut y avoir sur la Terre, on arrive à rééquilibrer certaines énergies, à calmer certaines douleurs simplement en faisant ça. Déjà, souvenez-vous bien que vos pensées sont plus puissantes que la matière. Déjà, rien que ça, c'est bien, il faut bien enregistrer. Et tu peux continuer, parce que partant de ce principe, on peut vraiment résoudre des choses si on est convaincu et si on le sait. On peut le dire, parce qu'on voit dans certains pays, bon, le magnétisme, l'évolution naturelle de l'univers a fait qu'on a laissé tomber un peu toutes ces pratiques. Mais on sait pertinemment que dans certains pays, c'est utilisé encore depuis la nuit des temps. Et c'est l'esprit qui est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut imaginer. C'est lui qui va permettre justement à soulager les gens. Alors, on va dire que dans certains pays, on va dire que c'est des magiciens. Il y en a d'autres, c'est des charlatans. Ça va être une croyance pour tout le monde, mais c'est réel. La pensée est tellement puissante, transmet au corps des énergies et des choses qu'on ne peut pas s'imaginer si on n'est pas ouvert à tout ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut se concentrer sur soi-même. Allez simplement un jour, si vous vous faites mal. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça qu'il y a très longtemps, ça, je me suis découvert ça, c'est que je déchargeais un camion de bois, j'ai lancé un morceau, j'ai sauté, je me suis tordu la cheville. Mais quand je dis tordu, la cheville est retournée. Inconsciemment, je me suis redressé, je boitais. Je me suis concentré sur ma cheville personnellement, en posant mon pied par terre. Et mon esprit est parti dans ma cheville. En me concentrant dessus, j'ai remarché 5 minutes après comme si rien n'était. Comme quoi l'esprit est plus puissant que tous les actes qu'on peut avoir. D'accord, en fait c'est très simple, il suffit, enfin c'est très simple. Oui, c'est simple, mais il faut appliquer, j'allais dire il suffit d'appliquer. Il faut s'entraîner comme tout potentiel. Il faut s'entraîner. Alors, tout le monde ne va pas pouvoir développer un magnétisme à une échelle assez importante, mais tout le monde peut se soulager certains maux,
Ça, tout le monde est capable. Il faut simplement avoir envie déjà de le faire, parce que c'est ça surtout. Les gens, en général, moi-même avant, quand je ne savais pas ce que c'était, bah, non, c'est pas possible, je ne peux pas m'auto-soulager. Mais si on peut s'auto-soulager par simplement la pensée. Oui, c'est plus facile de prendre une aide extérieure, de remettre son pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire dans un médicament, dans une personne. C'est tellement plus confortable. Alors, que nous pouvons le faire en On partie. peut le faire. Le fluide magnétique peut soulager énormément de choses. On peut guérir des maux, des maladies. Peut soulager. Moi, je l'ai tous les jours, ça. Je le vois tous les jours. J'ai eu des clients qui ont eu des résultats qui m'ont dit, c'est pas possible. Je leur ai dit au départ, je dis, je peux pas, je suis pas magicien, je suis pas Merlin l'enchanteur, j'ai pas de baguette magique, mais on peut en plusieurs séances arriver à rétablir tout ce qu'il y a à rétablir. J'ai eu un monsieur qui a traversé la France pour venir me voir, qui était condamné à un fauteuil, un déambulateur. Alors, c'est quand même assez une personne qui avait quoi, 50 ans, sportif, à un certain niveau en plus. Tous les médecins lui avaient dit, vous ne referez plus de sport, vous ne pourrez plus courir, c'est fini. Et il m'a été envoyé par le biais d'une connaissance. La personne lui a dit, tu vas le voir. Moi, j'y suis passé, j'ai eu les résultats. Donc, on s'est eu au téléphone, je lui ai expliqué, il m'a expliqué ce qu'il avait. Je lui ai dit, moi, en une séance, je pense que vous repartez normalement, en fonction de ce qu'il m'avait donné comme exemple. Il m'a expliqué les pathologies, comment ça s'est passé, parce que, bon, à force, on connaît. Il est arrivé, il a traversé la France, il est arrivé. Il y avait beaucoup d'énergie bloquée, mais je lui ai fait une séance en même temps. Ce qu'on appelle le reboutement. Donc là, j'ai lié les deux parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées physiquement et énergétiquement. Il est reparti. Il avait une compétition 15 jours après de judo. Il l'a faite. Et depuis, j'ai eu un remerciement encore il n'y a pas longtemps, que tout va bien. Justement, dans le chat, donc il y a des questions. Et Monica, apparemment, qui t'a contactée, qui dit, j'ai eu la chance de faire un test. Alors, attends, c'est pas celui-là. J'ai eu la chance de faire un test avec Patrick suite à une opération et j'ai ressenti son travail alors que nous n'étions plus au téléphone. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, j'ai fini il y a 2 minutes. Je savais qu'il a fini il y a 10 minutes. C'est assez incroyable, je ne l'explique pas encore. Ça, c'est Monica qui t'a contactée par téléphone. C'est vrai que toi, tu as une manière particulière, tu m'expliquais ça, bon, je l'ai ressenti sur moi plusieurs fois, parce que maintenant on est devenus proches. Toi, tu te téléportes carrément au cœur des cellules. Alors oui, Les gens, tu décris même... c'est justement. J'ai eu aussi développé ce don, c'est qu'en fin de compte, je fais des soins à distance. En faisant des soins à distance, je me synchronise avec la personne. Alors, pour donner l'exemple de Monica, puisque de toute façon, elle avait écrit sur le chat, oui, alors Monica m'avait appelé pour un soin à distance pour des douleurs précises. Je lui ai dit, je ne vais pas pouvoir vous donner une heure précise, mais je vous appellerai après pour vous dire c'est fait. Et il s'est révélé que je suis parti directement chez elle, enfin là où elle était, je me suis synchronisé avec elle. Et c'est là que la puissance des énergies est tellement importante qu'on arrive à se téléporter. Enfin, téléporter, c'est peut-être un grand mot, mais oui, se téléporter auprès de la personne, comme si j'étais sur place. Et il y a des fois où ça m'arrive, où justement, j'arrive, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, sur une personne qu'on connaît. Je suis parti, très loin, en plus beaucoup plus que l'autre côté de la France, c'est l'autre côté de la France. Je suis parti, j'ai voyagé, mais ça dure une fraction de seconde, parce que je me vois, comme un peu comme ce qu'on voit dans les films. Malheureusement, je suis désolé, mais c'est vrai. Je suis parti, je suis arrivé devant son immeuble, et en regardant l'immeuble, j'ai dit, hop, c'est cette porte. J'ai fait le soin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. La personne m'a dit oui, je l'ai ressenti, je l'ai eu après au téléphone. Et je lui ai dit, voilà, il s'est retrouvé que comme une énergie qui passe. Voilà, je suis parti en énergie auprès de chez elle, devant chez elle, auprès de son corps. Et je lui ai dit, voilà, votre immeuble, il est comme ça, votre porte, elle est comme ça, telle forme, telle taille.
Elle m'a dit oui. Donc on Mais je peut connais très voyager. bien la personne dont tu parles. Alors, quelques questions. Quelques questions. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Donc, Simon qui dit bonsoir à vous tous. Est-il possible de magnétiser un traitement caché afin de manifester les médicaments de façon autonome? Particulier, ça, hein, quand même. C'est-à-dire que C'est-à-dire, de remplacer des médicaments ou quelque chose comme ça. on ne peut On pas peut remplacer, on ne peut pas remplacer les médicaments. avoir... Ouais. On peut apporter quelque chose en plus de médicaments. Oui, Après, il faut trouver la racine là, quand même. voilà, on peut éventuellement trouver la racine, on peut aller au-delà de trouver simplement la racine, on peut éventuellement trouver le pourquoi. Soigner ce qui peut éventuellement bloquer, mais on ne peut pas se substituer à des médicaments. Il y a, voilà, moi, on me demande, est-ce que je dois arrêter ça, ça ou ça, si je ne suis pas médecin. On ne peut pas dire, faut. Le médicament, c'est un médicament. Bon, après, la médecine, c'est une chose. Magnétisme, comportement, tout ce qu'on fait, toutes ces thérapies alternatives ne remplacent pas la médecine conventionnelle, faut bien le dire. Ok, alors... On peut amener un bien-être, on peut amener quelque chose d'extraordinaire, ou même soulager, ou même guérir des gens, parce que c'est vrai, mais même si on n'a pas le droit de le dire, mais on ne peut pas remplacer la médecine. Ok, et Monica nous dit, peut-on détoxifier le corps des corticoïdes suite à une anesthésie locale? Moi, je sais que tu m'avais nettoyé le foie une fois, tu m'avais nettoyé tous les organes, hein, parce que Oui. j'utilisais beaucoup d'huile essentielle et j'étais intoxiquée. Alors, j'ai une hygiène de vie irréprochable et j'étais intoxiquée avec des huiles essentielles. Ah, oui, on peut désintoxiquer, mais là, on ne peut pas le faire à distance. On peut le faire qu'en présentiel. Parce que là, c'est un gros travail justement de rééquilibrage déjà des chakras, des énergies. Et après, en magnétisant, ce n'est pas une séance qui dure 5 minutes. En général, c'est des séances qui durent au minimum 1 heure. On va jusqu'à désintoxiquer. Il faut se dire qu'après une séance, les gens sont très fatigués. Pourquoi? Parce qu'on bouge tellement d'énergie, on bouge tellement de choses, on rééquilibre énormément de choses, du coup les gens sont vidés. Le temps justement que le corps reprenne, parce que le corps, une fois on imagine que c'est une boule d'énergie, le corps, et quand il y a une dissonance quelque part, ou quand il y a justement un déséquilibre d'énergie qui crée une pathologie, parce que c'est souvent le cas. Eh ben, en rééquilibrant tout ça, ben le corps, en fin de compte, il relâche. Il relâche tellement bien que ben, les gens sont hyper fatigués derrière. Excuse-moi, je lis en même temps les questions. Oui, bien sûr. J'ai un ami qui jouait au foot, qui s'est fait mal au genou, qui m'a dit, mais s'il est incroyable qu'il est ressorti de séance avec toi. Et donc lui, après, par contre, il était très fatigué. Il était très fatigué parce que tu lui as fait un check-up total, je crois. Bah, faut dire qu'on peut pas, on peut pas passer un check-up, on peut pas passer outre un check-up total, puisque pour pouvoir trouver la cause de chaque pathologie, de chaque problème qu'on peut avoir ou déséquilibre, il faut savoir que on est obligé de. Moi, personnellement, c'est ma pratique. Je fais le corps entier. Je regarde tout ce qui ne va pas sur tout le corps. Il faut savoir que le corps, comme c'est une. Moi, j'appelle ça une magnifique chose. C'est une horlogerie suisse, le corps. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va emmener ou engendrer d'autres problèmes. Donc, si on rééquilibre quelque chose, mais qu'on n'a pas rééquilibré la base, ça ne va pas. Alors, du coup, je fais un check-up complet. C'est pour ça que les gens sont très fatigué derrière parce que je rétablis en général tout ce qu'il y a à rétablir et je préconise tout le temps, au minimum 72 heures sans faire d'effort ni de sport. Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi? Parce que le corps a une mémoire de la douleur de 72 heures. Au bout de ces 72 heures, ce mémoire va se réinitialiser. Du coup, le corps, c'est pour ça qu'on est très fatigué. Dans les 2, 3 jours qui suivent, au moins premier jour, c'est sûr, c'est vous dormez. Et après, il se réinitialise. Et c'est de là que justement, on a un nouvel élan
Parce que le corps, en fin de compte, il sait plus, il repart comme s'il était tout neuf. Oui, Moi, c'est ce que j'ai disait un un ami. exemple, c'est ma belle-fille qui, la toute première fois que j'ai fait, elle a dormi 15 heures. Alors, j'ai Jolie qui dit, est-il possible de guérir mon œil droit brûlé par la lumière bleue du portable? Brûlé par la lumière bleue du portable. Chaque cas est différent pour chacun. Brûlé, s'il est brûlé, suivant la brûlure, on peut atténuer. Ça, je pense que oui. Atténuer, guérir, je ne sais pas. À voir. Faut se Atténuer, oui. Puisque moi, j'ai eu un monsieur qui était en France et qui avait. Il avait un œil qui voyait plus, c'était un voile, c'était très flou. Il avait fait un infarctus et ce qui lui avait amené d'autres problèmes. Il est venu me voir, je me suis occupé principalement de toutes les énergies par rapport à l'infarctus et tout ce que ça avait engendré. Et il m'a dit, je vais souvent en vélo, je me promène et malheureusement, je suis obligé de m'arrêter parce qu'il y a un œil, je ne vois plus rien. C'est flou, c'est comme s'il avait un voile complètement. Donc, toujours pareil, par la pensée, et quand on me laisse rentrer dans les énergies, dans l'espace principal de la personne, je l'ai magnétisé, j'ai fait ce qui me semblait être le mieux pour lui à ce moment-là, sur l'œil, et depuis, il revoit normalement. D'accord. Alors, Soleil Radieux qui dit bonsoir, c'est combien une séance? Et peut-on le faire par téléphone? Je viens de m'ébouillanter le pied, ça m'intéresserait. Ah. Une séance de magnétisme, reboutement, c'est un coût de 60 euros En présence physique? en présence physique Pour 1 heure et 80 en distanciel pour quand on fait des soins à distance. L'idéal, c'est de trouver un coupeur de feu. On peut le faire à distance, une brûlure qui vient d'être faite, mais quand elle vient d'être faite, il faut un coupeur de feu tout de suite. Et surtout suivre les instructions. Mais le coupeur de feu, il va l'enlever tout de suite dans la foulée. Si ça vient d'être fait, il faut le faire par un coupeur de feu. Il y en a de partout. Et ça, c'est. Moi, en magnétisme, je vais soulager. coupeur de feu en physique. En physique. En physique, c'est mieux parce qu'au moins, vous n'aurez quasiment pas de traces derrière. Alors, moi, je me suis fait brûler, toi, tu m'as fait à distance, parce que ben, on n'était pas dans le même pays, pour enlever comment ça s'appelle, les informations au niveau de la peau. Et moi, ce que j'ai utilisé, si ça t'intéresse, Soleil Radieux, en pharmacie, ils vendent quelque chose de gras avec, comment ça s'appelle, des petites grilles. Des gaz. Voilà, c'est pas des gaz, c'est imprégné dans le gras et tu colles ça dessus parce que sinon après tu cloques et ça te fait une cicatrice. Le fait de mettre ça avec un pansement, ça soulage énormément. Mais voilà, un coupeur de feu proche de chez toi. Ben c'est l'idéal. Il faut savoir que sur une brûlure, démangeaison ou brûlure, quand quelqu'un vous avez, quand vous, si vous avez des brûlures ou des démangeaisons, la chose primordiale à faire, c'est l'eau froide. Toujours passer les démangeaisons ou les brûlures sous l'eau froide. Pourquoi? Ça va calmer justement la brûlure de la peau. Ça va anesthésier peut-être, non? Ça va l'anesthésier, c'est surtout que ça va calmer toutes les démangeaisons, toutes les brûlures qu'on a, parce que c'est en feu. Faut pas Ah oublier que c'est en feu. Donc si on met quelque chose, alors moi je t'avais fait un soin, tu as mis les gaz qui sont un peu grasses, mais sur une brûlure tout de suite, ne jamais mettre du gras. Parce que c'est comme une poêle. moi j'avais fait ça. J'avais mis du. Mais logiquement, on ne met jamais de gras sur une brûlure qui vient d'être faite, puisque c'est comme si vous faites chauffer une poêle et vous mettez du gras. Oui, ça a empiré. Ça Je empire. comprends. Faut pas faire ça. Faut pas faire ce que j'ai fait. Faut jamais. De l'eau glacée, de l'eau, vous laissez couler alors, gentiment de l'eau sur votre blessure ou sur votre démangeaison, si vous avez de l'eczéma, dès que ça commence à démanger, sur l'eau froide. Et jamais, il y en a beaucoup qui mettent des glaçons, jamais sur les plaies. Ok. Alors, quels sont les soins possibles par téléphone? Par téléphone, alors on peut faire énormément de soins, on peut faire des rééquilibrages énergétiques, on peut faire ce que moi j'appelle, puisque j'ai été formé là-dessus aussi, sur les soins d'Isis, donc c'est des soins quantiques, qui portent bien son nom de la.
la prêtresse Isis. Donc on peut rééquilibrer, on peut aller chercher ce qui ne va pas. On peut éventuellement, comme ça m'est déjà arrivé, enlever une personne ou quelque chose qui est sur quelqu'un. Ah oui, ça tu fais aussi, tout ce qui est entité, tous ces trucs, pas cool. Oui, c'est pas cool. Moi, j'ai, ça m'est arrivé la première fois que je l'ai fait sur ma femme. Et c'est vrai que... je vois que les personnes qui sont là sont ouvertes à tout ça. Il faut savoir que ça existe, tout ça. On a des entités qui se promènent, où on les attire ou on ne les attire pas. Mais en général, elles ne sont pas là pour faire du mal, mais on peut les enlever. Et les soins, c'est pareil, on va rééquilibrer tout ce qui ne va pas, parce que c'est la même chose que quand on va le faire en présentiel, mais là, c'est beaucoup moins puissant qu'en présentiel. Quand je dis c'est beaucoup moins puissant, à distance, c'est puissant, mais en présentiel, c'est fois, on multiplie. Oui, parce que tu peux manipuler le corps aussi. Et puis, je suis en direct sur la personne. Ouais. Mon énergie, j'utilise mon énergie, l'énergie universelle. Pour ça. Alors, je n'avais pas vu la question de Mariam au tout début qui dit « Je veux savoir si vous pouvez lire les pensées et les mémoires de la personne. » Donc, c'est deux choses différentes. Les pensées, les mémoires de la personne, les mémoires du corps. Alors, les mémoires de la personne, non. Les pensées, non. Les mémoires du corps, des douleurs, souvent elles apparaissent. Puisque c'est comme ça que j'arrive à me synchroniser. Puisque les mémoires... Le corps a toujours une mémoire des douleurs qu'il a. Ok. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on va faire une courte conférence, je voulais juste te partager, parce que quand je trouve des gens géniaux, c'est pas pour te laisser des fleurs, mais si on peut s'entraider et s'orienter vers les bonnes personnes, moi, vous savez que quand j'ai des gens qui m'aident, bon, j'aime bien partager... Si ça peut vous aider. Ah oui, Monica qui dit pour un meilleur sommeil, ça fonctionne également le magnétisme. Oui, après, il faut savoir que Monica. Il y a une cause, quoi. Il y a une cause. L'idéal, c'est vrai qu'en présentiel, on va trouver la cause, on va l'enlever. On va lui permettre. C'est pas moi qui vais l'enlever, je vais simplement lui permettre de switcher un peu la cause. Du coup, ça va rétablir certaines choses. En plus, on va un peu. Éliminer un peu par le magnétisme, tout ce qui vient un peu flouter, mettre un voile là-dessus. Mais tout ce qui est dérèglement en général du corps a une cause. Ok, donc Sandrine qui dit « Bonsoir, comment la prêtresse Isis a-t-elle transmis ses soins ?» Je lui fais une demande. Déjà, je me connecte à elle. Et en général, je lui fais une demande de m'autoriser à soigner ou amener un soin à la personne à laquelle je vais faire le soin. On demande l'autorisation, on lui demande justement de nous prêter son savoir. Donc, je fais appel à plusieurs personnes. Je fais appel au grand Je suis, qui est tout l'univers, parce que bon, c'est quand même aussi le Tout-Puissant qui est au-dessus. Quand je dis Tout-Puissant, ça... Beaucoup de gens pourraient l'appeler n'importe comment, plein de noms différents. Mais moi, j'ai deux ou trois personnes à qui je fais appel tout le temps. Je fais appel au grand Je suis tout le temps. Et je fais appel à la prêtresse Isis qui, en fonction des personnes, comme moi par exemple, on m'a découvert plutôt que Isis était en permanence avec moi. J'ai ce qu'on appelle une protection divine qui est en permanence avec moi et je peux apporter un soin puisque de toute façon j'ai certains animaux totems qui viennent m'aider en même temps. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner le déroulement de la séance? Comment ça se passe? Alors, une séance en présentiel, hein, bien sûr. Une personne qui vient me voir déjà... Je fais un peu ce qu'on appelle une anamnèse. Je discute un petit peu avec, je relève un petit peu certaines informations qu'elle a. En attendant, je vois un peu comment elle se comporte, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Avec le temps, on voit vite ce qui ne va pas. Après, la personne s'allonge et je regarde un petit peu, je me synchronise avec son corps.
Et par ce biais, déjà, je fais de l'imposition, ce qui me permet, si elle vient déjà, c'est qu'elle m'autorise à pénétrer dans son univers énergétique, sinon elle ne serait pas vers moi. Je me synchronise et en me synchronisant, en fonction, merci Monica, en fonction de la pathologie pour laquelle elle est venue, la personne, bah, je vais essayer par le biais, parce que j'ai plusieurs, j'ai deux particularités, c'est que je me synchronise et c'est mon corps qui fait effet miroir, et j'ai mes mains qui, elles, justement, détectent tous les mots. Donc, comme tu peux le savoir, en général, quand je passe mes mains, c'est elles qui me détectent au passage tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et là, je trouve les mots qui ne vont pas. Et en me synchronisant par le biais d'imposition, parce que moi, comme beaucoup, d'autres survolent, moi, je suis obligé d'avoir de l'imposition. Et c'est là que j'ai tout ce ressenti. En imposant mes mains sur la personne, j'ai les douleurs qui apparaissent. Donc après, les mains vont un peu voyager sur le corps pour trouver la base des problèmes. Et en fonction, je rééquilibre s'il y a besoin énergétiquement et physiquement, et je remonte des pieds à la tête. Je fais le dos et la face. D'accord, ok. Bah, j'ai mis ton contact dans le chat. Tu as un numéro de téléphone français parce que tu consultes en France et un numéro de téléphone andorran, vous pouvez appeler sur WhatsApp parce que le cabinet est en Andorre. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant la fin de la conférence, Patrick? Oui, ah, faut savoir que, comme je redis, c'est que c'est à la portée, ce que je fais, peut-être pas, mais de se soulager des mots, ayez l'esprit ouvert. En ayant l'esprit ouvert et en s'autorisant, il faut savoir qu'il faut s'autoriser à se soulager, parce que c'est surtout ça. L'esprit est très intelligent. On a notre ego qui, lui, nous dit tout le temps, non, c'est pas possible, ça n'existe pas, ces choses-là, j'y arriverai jamais. Non, la parole crée, mais l'esprit est plus puissant que tout ça. Donc, autorisez-vous à, ne serait-ce que, pas, des petites choses, à vous autoriser à dire, tiens, je vais essayer d'aller me visualiser un endroit de mon corps. Pour soulager un endroit où j'ai. Vous y arriverez. On dit souvent que l'esprit, il est beaucoup plus fort, je vous le redis, mais si vous vous dites, ah, il y a quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là, je suis persuadé, et vous ferez le test, qu'en disant ça, il y a une chose qui va apparaître, alors peut-être un objet, peut-être je veux dire, une pièce de métal, ou peut-être simplement une petite blessure qui, à cet endroit-là, va vous apparaître. Et à ce moment-là, par la pensée, vous pouvez. Ou vous ne pouvez pas, mais si vous arrivez à ce moment-là, déjà là, comme ça, vous pouvez simplement demander à votre corps, bah, de se réparer. Mais il faut le vouloir. Ok. Patrick, merci d'avoir joué le jeu de passer en conférence. Merci à toi, Gwen. J'ai demandé aussi à ta femme, Sylvie, qui fait de la biorésonance, qui est vraiment aussi exceptionnelle, qui travaille principalement à distance, en fait, tout à distance. Ce qui est génial, c'est qu'on donne le nom, les coordonnées, la date de naissance, tout ça, peu importe dans quel pays on est, c'est dans la base de données. Dès qu'on a quelque chose, on appelle et elle s'occupe les problèmes de peau, d'oxygène dans le sang, enfin, Tu connais. je connais. Notamment quand j'ai eu le Covid, l'oxygénation, il y a eu besoin pour la respiration. Donc, Sylvie passe après-demain, Mercredi. je ne sais plus, Mercredi. mercredi. Donc, mercredi, elle sera avec nous en conférence. On va découvrir ce que c'est la biorésonance, quels sont un peu les meilleurs appareils, ceux qu'utilise aussi Sylvie et ce qu'on peut soigner ou soulager comme pathologie. Vous avez aussi le canal WhatsApp qui est gratuit, qui est à votre disposition. Donc, vous avez mon numéro de téléphone WhatsApp si vous avez toute question pour quoi que ce soit, si vous avez n'importe quoi, je suis à votre disposition. Je vous répondrai ou vous renverrai compétente. Monica qui nous dit le magnétisme pour les enfants, est-ce possible également? Exemple, 7 ans. Oui,
Il n'y a pas d'âge requis pour le magnétisme. Je fais mes petits-enfants depuis qu'ils sont bébés. Quand je dis bébé, de mémoire, je crois qu'ils avaient 3 mois. De mémoire. J'ai encore fait une petite, pardon. Elle avait 2 ans il y a 2 jours, enfin vendredi. Mais mes enfants qui avaient à peu près deux ou trois, mes petits-enfants qui avaient 2 ou 3 mois, je les ai faits. Et c'est plus puissant que sur un adulte, hein, sur les enfants. Pour nous, c'est plus éprouvant, mais pour eux, c'est beaucoup plus puissant, puisque eux n'ont pas d'ego, eux, ils sont ouverts à ça, et pour eux, c'est des choses tout à fait normales, naturelles. Et c'est très, très, très efficace sur les enfants. Oui, t'avais un de tes petits-enfants qui disait dès qu'il a un bobo, faut que tu le soignes, quoi. Ah ben là, j'ai ma petite fille, le petit-fils qui est papy, j'ai mal là, et hop, dès qu'ils ont quelque chose. Et c'est marrant parce que ils le sentent. Les enfants le sentent à travers eux. Moi, Puis je nous vois aussi, mes. on le sent passer quand même. Oui, on le sent bien. Mais imagine que nous, on le sent passer en tant qu'adulte. On le sent bien par moment. Si les gens sont bien ouverts, on le sent super bien. Chez les enfants, c'est multiplié. C'est réellement multiplié. Et ça risque rien. On ne peut pas leur faire de mal aux enfants avec ça, parce que c'est pour eux, c'est une chose naturelle. Eux, c'est développé déjà. Ok, bon, merci Patrick. On se réjouit Merci. de voir aussi Sylvie après-demain. Eh ben Merci à oui. vous tous. Je vois Monica qui met des jolis messages. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous d'ici la prochaine conférence. Ok, merci Gwen, merci à tout le monde et puis prenez soin de vous. À très vite, à À bientôt. très vite Gwen, au revoir.